Nous avons quatre salaires, en fait, dans le métier qu'on fait, quel que soit le métier. Le premier salaire, c'est l'argent qu'on reçoit à la fin du mois. Le deuxième salaire, c'est la reconnaissance sociale. Là, vous êtes mieux payé que moi. Un journaliste de radio, ça a une certaine notoriété, il y a une belle reconnaissance. Le psychologue, c'est pas terrible. Après, il y a la reconnaissance des collègues. Le salaire, c'est aussi une façon d'être apprécié par ses collègues, d'être validé par ses collègues. Et puis les bénéficiaires, les gens pour qui on travaille, qui nous disent « c'est pas mal ce que tu fais ». Et dans cette société où les ressources humaines sont considérées comme de la matière, il n'y a plus aucune de ces reconnaissances, il y a un salaire à la fin du mois, et quelque part il y a quelqu'un qui vous dit « ferme ta gueule ». Et je trouve que c'est d'une brutalité, d'une sauvagerie sans nom, et c'est ce que nous disent les gens de chez Deleuze. Probablement qu'il y a plein de choses qu'ils nous disent que j'ai pas compris, mais en tout cas ils nous disent ça. On veut garder une singularité. Et une société qui ne permet pas le maintien de la différence, le maintien de la singularité, amène quelque part les gens à devoir se révolter. Et quand ils ne peuvent pas partir en guerre contre, ils s'utilisent eux-mêmes, soit en s'effondrant, en disparaissant, en se suicidant éventuellement, soit en tombant malade ou en ne pouvant plus, en devenant en panne. Et quand on est en panne, quelque part, c'est une manière de dire « regardez-moi ».